mon fils Ignacio et ma belle-fille Soledad, et ici mes deux petites filles, Tamara et Katia. Ici, il y a une lettre de Tamara, l'aînée, où elle écrit « Lettre pour l'extérieur du Chili. Messieurs importants de l'étranger, je voudrais vous demander une faveur, parce que vous avez plus de pouvoir que moi. Il se trouve que mon papa et ma maman sont des prisonniers politiques. J'ai une sœur qui a 5 ans et moi j'ai 7 ans. Ma sœur voudrait être avec son papa et sa maman. Avec son papa et sa maman. Je m'appelle Tamara et elle s'appelle Katia. Katia et moi avons été les voir en prison. Je suis petite et je ne comprends pas grand-chose à tout ça, mais je sais que vous pouvez m'aider. Je vous demande de m'aider. Je vous en prie, au fond de mon cœur, je vous resterai éternellement reconnaissant de cette faveur. Avec beaucoup de tendresse et de respect, Tamara, au revoir et merci pour tout. Cela se passe souvent comme cela? Oui, cela se passe. Cela se passe tous les jours. Attention, attention! Cela se passe tous les jours. Ils n'acceptent pas nos dessins, tout ceci, nos œuvres créatives de paix qui se voient une nouvelle fois compromises. Ils le font pour semer la terreur? Oui, pour réprimer, pour maintenir le contrôle et maintenir la terreur dans la population. Mais je crois que la terreur est en train de se perdre. Voyez comme ces petits-enfants courent et s'amusent malgré tout. Ils sont terrorisés, mais ils deviennent de plus en plus audacieux. C'est parce que finalement on ne peut pas réprimer l'homme. L'homme toujours recherche la liberté partout, sous l'une ou l'autre forme. Pinochet demande où sont les siens, qui sont ses partisans, et il ne les rencontre pas parce qu'il n'y en a pas. Et voilà qu'ils reviennent encore une fois. Thank you.
Moi, en tant que catholique, je pardonne aux assassins de mon fils. Et je veux qu'ils paient en prison pour ce qu'ils ont fait. Et je ne veux plus qu'on fasse du mal, qu'on menace, ni qu'on persécute ma famille. Parce que maintenant, ça suffit. Ça suffit.